Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers compatriotes, bande de Gonabis au Barbolingo, nous sommes attaqués par. Nous ne sommes pas attaqués, nous sommes en tristesse parce que le volcan Nyamulagira s'est révolté, il est en éruption. Voilà. Nous avons là-dessus un audio en direct de Goma que vous pouvez entendre d'un de nos correspondants. Sur place. Nous avons également un audio du gouverneur du Nord Kivu qui s'est adressé à la population. Nous avons également quoi? Oui, nous avons une image vidéo là-dessus que vous allez entendre. C'est en swahili. Bon, ceux qui comprennent le swahili peuvent traduire pour les autres. Mais j'ai confiance. La majorité des Congolais comprennent aussi le swahili, même sans le parler. Voilà, chers compatriotes. Nous allons passer d'abord à l'audio. De Goma et ses environs d'être calme. Allô, bonjour. Salut, salut. Ah oui, il paraît que il y a eu éruption du volcan Nyamulagira là-bas. Toi qui es à Goma, qu'est-ce que tu en sais? Oui, oui, bon, il y a eu éruption du volcan, bon, on est là, bon, et on est en train de se dépêcher vers Bujimba. Vers comment? Je suis à Bujimba, je suis à Bujimba, je suis à Bujimba. À Bujimba. Je vais juste... Je suis à Bujimba vers Sac, oui. Je vais informer seulement les colonels commandant à ville. Je suis à Bujimba avec ma famille. Ah oui, c'est pour éviter le volcan. Là-bas, la lave et les fumées, ça n'arrive pas là-bas? Non, c'est pour se dépêcher. Donc, on tente seulement, mais on n'a pas la vraie direction où est-ce que ça peut passer, mais c'est, en tout cas, c'est un peu sécurisant et c'est un peu rassurant, oui. Ah oui, d'accord. Tu n'as pas quelques photos à m'envoyer? En tout cas, j'ai quelques photos, je vais vous envoyer tout de suite même. D'accord, merci, j'attends beaucoup. J'ai été envoyé un message en privé, hein. Mais là, je suis en direct, donc je voulais être sûr, comme tu es sur place à Goma. Tu dis que tu n'es plus à Goma, tu es en déplacement, en fuite, quoi. Oui, je me suis déplacé à quelques kilomètres de Goma, mais c'est pas tout à fait loin. Je vais monter un peu sur la montagne, je vais vous montrer et peut-être vous aurez des images très claires. Ok, monsieur Raymond Tahiré Banzab, donc j'attends tes photos. Merci d'avance, hein. Merci beaucoup et merci à tous nos confrères qui nous suivent à ce moment. Merci beaucoup. Ok, de rien. Voilà, chers compatriotes, Boyo Kasikoyo. Audio, il y a Maloba, il y a gouverneur militaire, il y a Nord Kivu. Azali, ko s'adresser et pas population, pour pas paniquer, à l'obi. Bah, maladie, nyonso, babimana, bah, hôpitaux. Voilà, ensuite, nous vous montrons les images qui viennent de Goma. C'est triste, chers compatriotes. Les instructions des services de la protection civile. D'après les
Goma. Goma volcan na Tomboka. Hii ni moto katokea mbilima, tushwe ni moto wa nini? Mbatu huyu asema ke ni volcan. Ni moto wa mingi sana kabisa inatokea kule kilima ya volcan. Mpasa hii Goma ni panike kabisa, hakuna mwanashua kani nini. Me ni moto wa mingi kabisa. Na watu wamesha kosa amani kabisa muvila, tujue kani moto wa nini. Me espero ke isikuwe volcan juu. Ni moto wa tro sana kabisa. Serogizi na jiongoza iko nenda Rwanda. Juu ni mengine watu Kibati. Banambia Kilimanyoka, deje mevuka barabara imeenda ngambo ya Rwanda. Na tuko tunako etashi deja jere. Njoi deje naenda Rwanda. Sikia huyu. Mungu alisema watu waenda kwa maskini ya kushtukia. Eh bwana ndio, forget na tumoka lakini kunaenda ngambo ya Rwanda, iko nenda ngambo ya Rwanda, iko nenda ngambo ya Rwanda. Imevuka deja Kilimanyoka imeshuka muri mu Rwanda ndani. Njoko inaelekea. Thank you.